Bonjour Simon de Gel en Transition. Gel en Transition, c'est une toute jeune initiative qui apparemment génère déjà pas mal d'enthousiasme à Gel. Et donc ma première question, je suis intéressé de savoir comment vous avez lancé Gel en Transition. Eh bien, donc en effet, c'est une initiative qui est très récente, parce qu'elle n'a que quelques mois. Et donc en fait, ça a démarré autour de connaissances, donc une série de personnes qui sont actuellement dans le noyau, dans les initiateurs de l'initiative, se connaissaient au préalable. Et beaucoup d'entre eux autour de l'école du village, en fait. Simplement, nous avons nos enfants dans la même école, il n'y en a qu'une, de toute façon, dans ce village-là. Donc c'est faux, les tombes exactement, dans la commune de Gel. Et donc on s'est connus là, et à force de discussion, puis on est pour une bonne partie devenus amis, et voilà. Et donc on a discuté pas mal entre nous, de beaucoup de thématiques qui tournent autour de la transition, parce qu'on est tous intéressés par ça, et jusqu'au moment de franchir le pas et de vraiment essayer de lancer la chose. Donc ça s'est fait à la fin du mois de juin. Il y a déjà un sel qui va au-delà de Gel, mais ouais, déjà un sel en tout cas sur la commune et sur les communes limitrophes. Et c'est lors d'une réunion de ce sel qui était manifestée, enfin, publiquement, au-delà d'un cercle dans une maison de quelqu'un, chez quelqu'un, c'était manifestée l'idée, voilà, nous souhaiterions faire une initiative de transition, donc voilà, qui serait intéressé, le maximum de gens, enfin, voilà. C'est une première chose. Et ensuite, on s'est revus de manière plus informelle 2-3 fois après, et pour aller plus loin, et donc nous avons demandé au réseau en transition, une formation, donc il y a toute une série de formations qui sont proposées par le réseau, dont une qui s'appelle, je crois, quelque chose comme lancer une initiative de transition. Et donc voilà, nous l'avons suivi au début du mois de novembre avec Vincent. Et donc voilà, c'était réellement, on va dire un engagement, mais en tout cas déjà un premier pas important pour la lancer. C'est le cas de le dire avec le titre de la formation et qui a vraiment très bien fonctionné. Vous avez invité Vincent à organiser une formation. C'est ça, exactement. Ouais. Disons qui, donc, comme on était assez nombreux, elle a pu se faire, entre guillemets, chez nous. Il y a des personnes d'autres villages ou de Namur qui n'est pas très loin, qui sont venues également en profiter, qu'elle n'était pas trop loin de chez eux pour la suivre. Mais donc des gens de la commune, on était donc, on était 10. Et de ces 10-là, ben voilà, assez rapidement, on a fait une réunion juste après. Et de ces 10-là, il y en a 8 personnes se sont un peu proposées pour constituer un premier noyau et vraiment jeter les bases de l'initiative. Justement, la charte, les premiers projets, les premières idées qui émergeaient, enfin voilà, gérer vraiment cette première dynamique. Donc 8 personnes actives dans le noyau. Oui. C'est pas mal, ça. Oui, tout à fait. Par rapport à d'autres, on a vraiment cette chance-là. Et alors, on a pas mal de gens qui nous contactent. Déjà, il y a déjà il y a vraiment une motivation assez grande au sein de la commune. Par exemple, lors du week-end de formation avec Vincent, le samedi soir, on a imaginé de faire une petite projection d'un film et donc d'inviter tout azimut de gens et donc du coup présenter également déjà l'initiative en fait à pas mal de gens. Et si je me souviens bien, il y avait 38 ou 39 personnes qui sont venues pour une petite commune rurale quand même. Donc ouais. Voilà, c'est pas mal, on était très contents. Et donc la question est presque de gérer cet enthousiasme qui est déjà là, et moi je voudrais faire ça, tout ça c'est super, mais 2 secondes, on va d'abord un peu voir comment est-ce qu'on va fonctionner, un peu réfléchir sur notre mode de gouvernance, et voilà, il y a des choses à faire. Et donc, à la fois, il ne faut pas perdre cet enthousiasme qu'il y a autour de nous, et d'un autre côté, on peut aussi un peu se poser et voir un peu comment est-ce qu'on va avancer pour pas non plus s'affoler. Donc on est plutôt là-dedans, c'est pas un problème, mais c'est les questions en tout cas autour desquelles surtout on discute actuellement. Ok, et concrètement sur Gel, quels seraient les premiers projets que vous avez lancés ou que vous comptez lancer? Alors, il y en a 2-3. Il y a un projet vraiment là qui est venu d'une ou deux personnes faisant partie du groupe, qui est un travail sur la laine, parce que donc il y a énormément d'élevage en vin sur la commune. Et donc pas mal n'utilisent pas la laine qui est de toute façon tondue. Et donc l'idée de récupérer cette laine et donc de voir toute la filière jusqu'à la réalisation de pulls ou de différentes choses. Mais donc de travailler là-dessus. Et donc il y en a vraiment beaucoup de ces moutons. Je pense qu'il y a plus de moutons que d'habitants. Et donc voilà, c'est vraiment le début. C'est juste l'idée qui est arrivée. Ouais. Une personne est vraiment intéressée par ça. Une série de gens tricotent déjà.
Mais de là, la nouveauté, c'est plutôt de faire vraiment la filière de la laine, quoi, entièrement. Donc, l'apprendre, la laver, la tisser, enfin, voilà. La teindre, peut-être aussi, comment, enfin, voilà. Il y a tout un travail qui est là-dessus. Donc, ça, c'est une première idée qui est là. Il y a une autre chose, c'est de comment s'insérer vraiment dans les initiatives. Parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui se font. Si pas dans la commune, en tout cas, à l'échelle du GAL, qui lui reprend trois communes, Gèvres, Oé et Assès. Il y a déjà pas mal de choses qui se font. Et comment, voilà, se mettre là-dedans. Donc, ce n'est pas un projet en tant que tel, mais c'est une réflexion importante qu'on doit avoir, pour pas qu'il y ait de concurrence, pas qu'il y ait de récupération, ce genre de choses-là, enfin voilà, plutôt de la collaboration. Il y a une idée aussi de, là qui va se faire la semaine prochaine, donc il y a pas mal de, il y a tout un verger conservatoire, il y a pas mal d'arbres, dont une série sont, je vais pas dire à l'abandon, mais en tout cas pas forcément entretenus régulièrement, et donc de travail là-dessus, donc de taille. Et donc après, évidemment, de récolte de fruits, et puis de transformation, confiture ou autre, et machin, donc de nouveau refaire toute la filière. Et surtout que ces arbres sont là. Enfin, voilà. Sinon, des choses plus classiques, des mises en, pas forcément des mises en commun de potager, mais des, parce qu'on a la chance d'être à la campagne. Enfin, je considère que c'est une chance, tout le monde n'est pas, mais en tout cas, on a de l'espace, et donc la plupart d'entre nous avons des potagers. Et donc de mise en commun, ben voilà, pour qu'on n'ait pas tous des courgettes au même moment, enfin voilà, de gestion plus large de tout notre potager. Je pense qu'il y en a encore d'autres. En tout cas, ça, c'est les choses qui commencent vraiment à être réfléchies. D'accord. Et au sein de ce petit groupe des 8-10 personnes qui sont là, nous allons présenter la charte qu'on vient de plus ou moins terminer, un peu plus large, donc plutôt on va inviter les 38-40 personnes qui étaient venues le week-end, et là, pour faire réémerger d'autres projets, pour lancer d'autres cercles, d'autres projets. D'accord. Et voilà, donc, on verra bien, c'est vraiment le tout au début, là, c'est juste ce qui sort de ce petit groupe-là. On espère l'élargir, il y en a d'autres. Ok, excellent. Comme dernière question, peut-être que tu nous expliques ce qui vous a marqué à la formation. Donc c'était cette formation lancer et développer son initiative de transition. C'est ça. Qu'est-ce qui, si tu devais conseiller d'autres personnes de suivre cette formation ou pourquoi pas de l'organiser chez elles, qu'est-ce que tu as retenu de la formation? L'excellence de la première chose, c'est vraiment l'excellence de Vincent. C'était pas du tout pour jeter des fleurs à tout azimut, mais c'est vraiment, enfin, la construction de la formation est bien foutue, mais le fait, pas que ce soit lui parce que je ne le connaissais pas, mais en tout cas sa manière de travailler, sa manière d'animer, ce qu'il apporte au sein de dynamique de groupe est vraiment génial. C'est vraiment très très impressionnant, ça marche très bien. Et donc il y a toute une manière aussi d'être en groupe qui est intéressante, surtout pour des gens qui sont comme chez nous, en tout cas, l'énorme majorité des personnes qui ont suivi cette formation, ce sont celles qui ont lancé l'initiative après. Ce n'est pas une formation où il y a 2-3 personnes qui viennent d'un même endroit, et donc en fait, c'est qui est très très varié en fait, au temps du public. Ici, ce n'est pas le cas. Et donc, ça a vraiment créé une cohésion assez forte. Donc, pour la plupart, on se connaissait d'avant, pas tous, il y avait 2-3 personnes qui sont venues en plus. Donc, ça a amené de nouvelles personnes aussi. Mais il y avait une sorte de gros noyau autour de ça, de gens qui se connaissaient par ailleurs. Et, mais malgré tout, ça a vraiment créé une dynamique d'équipe, une dynamique de groupe importante, qui est vraiment évidemment essentielle pour relancer après cette initiative. Donc, travailler cette énergie de groupe. Oui, tout à fait. Il y a tout un volet après, alors, contenu plus large en termes de résilience et toutes ces thématiques-là. Qui est de toute façon toujours intéressant, même si on peut s'y intéresser depuis longtemps et connaître déjà pas mal de trucs. Voilà, c'est de toute façon bon à prendre. Et sinon, il y a pas mal de choses et beaucoup de petits trucs et astuces très très pratico-pratiques sur qu'est-ce qui m'a marché dans telle initiative, qu'est-ce qui a foiré dans telle autre initiative, enfin des petits machins comme ça, qui sont vraiment intéressantes aussi parce que, enfin, en tout cas, on en tient compte, on s'est rendu compte qu'on en tenait compte. Et ou certains travers à éviter, par exemple, et qui ont l'air de fonctionner. Je n'ai pas encore suffisamment de recul que pour dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, parce que voilà, ça ne fait que quelques mois. Mais en tout cas, ça semble fonctionner. C'est les trucs et astuces. Donc voilà, je dirais donc globalement la manière de travailler Vincent qui était vraiment très chouette, la dynamique de groupe et les trucs et astuces, en plus évidemment du travail sur le pourquoi en fait d'une initiative en transition.